Ça y est, vous arrivez. Je vous vais. Et Céline, tu es la première! Coucou! Et deux Céline à la suite! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir regarder, mais je suis là, première fois sur le jeu. Bah écoute, il faut bien une première fois. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi aussi, Céline, à toutes les Célines du monde. Venez toutes sur mon stream. Bah du coup, on va. Voilà, on prend le relais. Maintenant, on est sur. Sur Twitch, hein. Vu que YouTube ne veut plus de moi. Obligé de faire ce qu'on. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, 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 là. Sachant que Tybalt, c'était lui quand on voulait continuer l'aventure. Mais il peut pas aller en résidence universitaire. Parce qu'on a galé, on a été trop bêtes. Je les ai pas inscrits en résidence universitaire. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Que fait-on avec Tybalt? Est-ce qu'il retourne avec sa sœur pour le troisième semestre et au dernier semestre, on va voir enfin, en colocataire, là, enfin, en colocataire. Ah! En habitation d'université ou alors. Je sais pas. Alors, on va pas être beaucoup à décider parce qu'on est vraiment pas beaucoup. Mais ça va venir. Il faut que les gens ils sachent tout ça. Que je lance sur Twitch. Forcément. Bah j'ai loupé un bout moi. Ah! Bah la dernière fois on a fait la fac c'était mercredi dernier. Parce que après j'ai fait un autre Sobéry et depuis j'avais pas réussi à faire de live. Et bien depuis mercredi en fait ils ont fait leurs examens du deuxième semestre. Puis finalement, je me suis dit, bah moi, je veux continuer avec un seul, ce sera peut-être plus léger. Puis comme ça, on pourra essayer d'aller en résidence universitaire. Et en fait, quand je les ai réinscrits, j'ai pas payé le truc de résidence universitaire. Donc du coup, bah, on est un peu dans le caca parce que on peut pas refaire en arrière, voilà. Donc c'est débile. Mais bon. Ça manquait trop de moments sur les détentes. Que ça, tu vas mieux. Bah, il faut, hein. J'avais pas vu la fin. Ah d'accord, ok. Salut Pearl, excuse-moi, j'ai bugué sur ton pseudo. Ouais, je vais mieux, je vais mieux. Ça va. Y a mieux. Là, je parle vraiment du nez, mais j'aimerais ne plus parler du nez déjà. Mais bon, c'est un peu trop demandé, je crois. Donc je pense, moi, qu'on puisse. Au niveau logement, on est dans le caca. C'est soit il vit tout seul, mais là, avec le peu d'argent, il a une grosse baraque, il faudrait que je revoie la maison. Mais en fait, là, j'ai pas envie de me casser les pieds, je vous le dis direct. Je pense que je vais le faire déménager, retourner chez sa sœur. Au final, ils se sont embrouillés, et puis ils se remettent ensemble. Mais maintenant, il a 24 000! Mais c'est débile! Mais c'est débile qu'il ait 24 000 maintenant. On va les remettre ensemble, hein, puis voilà. Salut Nous, comment ça va? Oh oui. Oh, mais dites pas qu'on va avoir autant d'argent. Ah non, on est retourné. Les 20 000, ils sont redisparus. On est revenu à 2 000 Simflouz. Pas trop le choix, les enfants. Hein. Bien sûr, dans le rediff YouTube, vous n'aurez pas le chat en direct, vu que c'est un tas de chat Twitch et qui n'est pas affiché sur l'écran. Du coup, j'espère que ce sera quand même agréable et visible pour vous. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est ça, si quoi? Non. Ah, ma chère Farah, tu m'as pas manqué. Alors, c'est vrai que. J'ai plus le même clavier, donc au niveau de mes raccourcis. Mais ouais, voilà, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Ah, du coup, je sais plus moi. On est vendredi, il est minuit. Il faut que je lui fasse. J'en ai marre. Ça recommence. Mais vas-y, commence pas à m'emmerder! Tu rentres. Toi aussi, tu rentres. Allez, allez. Oh là là là. Cours dans 8 heures.
Le jeu, il est en train de... Ah! Le jeu est déjà en train de me... m'emmerder. Je vais appeler ma mère, maman. Les Sims, ils sont pas gentils avec moi. Alors, la physique de la musique. Non, mais là, on va pas avoir le temps, hein. La physique de la musique, tu fais tout de suite ça. Toi. C'est la pathologie forestière. La pathologie forestière. Hop, vas-y. Voilà, vous faites tous les deux vos devoirs. Vous allez tous les deux écouter de la musique. Hop, écoutez blues. Allez. Comme ça, vous êtes occupés, vous parlez pas. Tu peux mettre tes écouteurs, toi, Georgette? Ah, ça y est. Elle les a pas mis. Je suis tristesse! On est toujours avec 2000 Simflou, c'est déjà pas mal. Hein. Pour aller voir un mail, hein, déjà ripé sur le envoyer. On a fait... Pas de soucis! Entre les deux Céline et ceux, celles qui ont la même journée dans le chat, c'est sympa. Bah, faudra que je fasse gaffe, faudra que je fasse des coupes dans la rediff parce que sinon on n'a pas fini quoi. Ah, ça y est! Mais alors, elle les a mis ou elle les a pas mis? Des fois, je vois de la musique qui sort de ses oreilles, alors que... Mais elle les a pas mis, cet abruti, là. Mais là, écoute. Wow, bah écoute, vous vous démerdez, moi, j'ai plus que ça à faire, je m'en fous. Je m'en fous! 1h30 du matin. Putain, et lui, il doit aller taffer, quoi, aussi! Il travaille dans 3 heures. Il n'a même pas été dormir. Bah, ça va, remarquez, il a une... Il tient bien la route, hein. Tais-toi, boss! À la fin... Oh là là, je vous jure. Il est mal barré, hein. J'aime bien, ils sont. Ah, non, ils font plus. Ils avaient la. Ils faisaient une petite chorégraphie. Mais mec, non, alors déjà. Tu vas dormir. Fais ta sieste. Mais tais-toi! Bah, il est encore dans le verre, c'est déjà bien. Après, quand il aura fini sa sieste, il va. Mais... Mais de où on est passé de 3 h du matin à 6 h du matin? J'ai rien vu passer. Mais non, mais ça sert à rien. Puis mes 10 ans là, descendre 3 marches là, enfin 4 marches, c'est bon quoi. Oh, ça me tue. Ça me tue de voir tellement de galères. Ah, début du semestre. Ah là 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 là. Et donc toi, tu commences à 11 h, après t'as 1 h entre les deux. Et il faut que tu fasses tes cours. Ouais, bah tu vas te lever dans pas très longtemps, moi je te le dis. Allez, on s'en fout, que tu sois fatigué et tout, tu vas aller manger. Toi. Lui, content. Je suis content. Alors, ça va être ça tout le temps. Un cours dans 33 minutes, mon. Ça va faire moins 30 temps. Après, bon, lui, t'es tranquille. Lui, après, il est tranquille. Tu vas faire quoi? Tu vas aller pisser. Je pense qu'en une demi-heure, t'auras le temps de pisser et de te changer. Parce que j'ai pas envie que t'ailles en barista, là. Je n'ai rien contre les baristas. Mais rarement, tu vas en uniforme de boulot pour aller en cours. On est d'accord. Voilà, il va tirer la chasse. Oh non, il a cassé les toilettes. Mais écoute, on a de l'argent. Mon jeu est un petit peu légèrement en train de ramer, hein. On pardonnera. Et il a cours dans 13 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire en 13 minutes, mon chéri? Il n'y a même rien à manger. T'as même pas un fruit pour dire de le manger. Je suis confuse. Bah écoute, tu vas aller là et puis tu vas aller en cours. Elle a fait quoi? Elle mange? Elle a ses trucs dans les oreilles?
Elle a besoin de se laver. Ah, tu me casses les pieds, hein, toi, tu. Toi, t'es chiante. Pourquoi t'as deux cours aujourd'hui? Oh là là, le jeu. Pourquoi il faut que t'aies deux cours aujourd'hui, toi, hein? 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 Que je récupère la partie à minuit et qu'il faut que j'enquille, là. Et dépêche-toi de manger! Oh là là! Ouais, vas-y, arrête. Ça va mettre 10 ans à poser son assiette, donc déjà, tiens. Voilà. Oh, je vous jure. Alors, salut Princesse Ternia, salut Kat Kiki. Kat Kiki, j'adore ce pseudo. Je plie le linge en même temps, oh la vache. Les fameuses siestes de 20 minutes qui durent 3 heures, c'est ça. C'est pas logique en même temps. Par contre, je crois que le bug des bambins qui galèrent à manger est réparé. En tout cas, ma fille m'a dit qu'elle n'a plus le problème aujourd'hui. Ah bon, d'accord. On croise les doigts. Bon, allez, Aya, avec ta douche, là, tu me pètes les noix. Flore terrestre et flore marine. Wouh! Ah, je me l'attendais pas, celle-là. C'est comme d'habitude, j'ai du mal avec, avec là, le truc d'abonnement. Merci, Hello Didi, pour la follow. Merci beaucoup. Alors, ok. Ça, messieurs, dames, c'est quand on est tellement à fond dans les cours. Ah, mais pourquoi tu me casses les pieds? Ouh! Je vous jure. C'est parce que je sais plus, hein. On fait, nous, moi je fais les devoirs sous la douche. Parce que c'est logique. Hein? Là où il y avait la douche, moi je fais mes devoirs. Voilà. Peut-être qu'elle veut les faire les deux en même temps, on ne sait pas. C'est complètement des ridicules. Regardez-moi ça. Manquerait plus que. Mince, j'appuie pas sur la bonne touche. J'ai changé de clavier, hein, j'ai du mal avec encore. Oui. Ça, c'est bien. Peut-être que c'est un cahier de devoir qui est ineffugé. Au cas où il y a des gouttes qui tombent, eh bien ça passe. Donc, alors, il a fini. Est-ce que toi, du coup, on est tranquille. Regardez, dans 3, 4 et 5 jours. Lui, c'est bon, hein. Lui, c'est bien, on est tranquille. Alors, mon petit chou, tu vas manger ton poulet grillé. Et après, tu vas être couché parce que t'es fatigué. T'es fatigué, et puis c'est bien. Elle a toujours pas fini de faire ses devoirs. La cour à 11 h, on a encore un peu le temps. Légèrement. Légèrement. Et elle va parler. La sociale, la need sociale. Voilà, dans 1 heure. Elle est qu'à 25%. 50. Ah. Mais après, elle aura 1 heure entre les deux pour faire ses cours, hein, pour travailler. 10, 9, 8, 7. Allez, vas-y, il te reste 25%. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, va à l'école. Oh! Attendez. Hop, écoutez activement parce que. Bon, elle avait cartonné au deuxième semestre. Hein, elle avait eu tout en plus, 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 archi plus. Donc c'était cool. Lui, il avait eu une super mauvaise note au dernier, à son truc optionnel. Là, je sais plus ce que c'était, comment on appelle ça. Alors qu'elle, elle avait cartonné sa mère. Donc 7, ouais 7, ok, on est toujours sur les mêmes trucs. Flore terrestre, midi 25. Moi je te le dis cocotte, t'auras même pas le temps de dire ouf que tu vas bosser. Hein. Voilà, vous avez vu ça? Flore, non c'est pas ça, si je sais plus. Oh là là, ça y est, flore terrestre. Ouais, c'est flore terrestre. Ça, allez. Allez, dépêche-toi. Oh, je te le dis. Ce stress!
Les miens s'obstinent à faire leurs devoirs sur la terrasse alors que c'est l'hiver et finissent par être morts de froid. Ils sont cons, ces Sims. Ouais, c'est ça. Voilà, elle a quand même de la musique dans les oreilles, mais... Ah mais attendez, regardez, on vient de faire le cours, elle a quand même cours celui-là, avant quand même celui-là. Il y a trop souvent des cours, trop souvent. Ouais. 30 minutes. Oh, mais t'as pas le temps de courir! Fais tes devoirs. Ah, ça y est! Oh, oui, elle a fini! Est-ce que tu veux faire de l'exercice? Vas-y, fais des pompes. Voilà, ça va te faire du bien. T'as cours dans 5 minutes, tu devrais être nickel. Après, tu vas aller là. Voilà, ça te fait du bien, ça t'a bien tiraillé les bras là. Allez, go. Ok! Je vous jure. Hein. Bon, elle est fatiguée aussi, mais bon. C'est comme ça, pauvre Lucette. Alors, mon petit Tibalt, tu vas te lever, t'as bien dormi. Tu vas me faire le ménage, tu seras bien gentil. Ils ont toujours leurs écouteurs. Tu vas prendre ta douche et puis manger. Toi, c'est bon, t'es tranquille et t'es en week-end. Bon, on n'aura pas le temps de faire grand-chose, je pense, encore une fois, mais ni trouver l'amour, ni faire des recherches sur comment intégrer la truc secrète, hein. Je sais même pas si quelqu'un a trouvé comment on fait. Salut, Switzen! J'ai un bug sur console, mes Sims, après chaque interaction, ils vont se laver les mains. Ah, moi je l'ai pas eu, Nouze, mais je sais que quelqu'un, je sais plus qui, hein, je pourrais plus te dire qui, mais j'ai déjà vu que quelqu'un se plaignait de ce bug. Mais je pense que c'était sur PC, effectivement. T'as raté quoi? Bah, du coup, Tibalt t'a réintégré la maison avec sa sœur, et pour le dernier semestre, on l'inscrira pour aller avec en résidence universitaire. Donc, ben, en attendant, ils ont déjà été en cours, ils ont passé la nuit à travailler parce que je l'ai récupéré la partie, il était minuit et ils avaient cours dans 8 heures. Donc, ils ont bossé. A rendu un devoir, c'est quoi Ok. Bon, ben, tu sais quoi, tu vas faire une sieste. Voilà. Et vendredi. Elle fait la sieste avec ses écouteurs sur la tête, c'est normal. Lui, il a pris la douche avec les écouteurs dans les oreilles également. On est d'accord. Ah là, c'est bien mon petit. Il reste toujours devant ce foutu frigo. Ah, tu sais ce que tu vas faire aussi, mon chou? Tu vas aller nous faire des toiles. Parce que avec le pognon qu'on va récupérer grâce à toi, on pourra éventuellement arrêtez d'aller bosser et ça va vachement alléger mes souffrances, surtout. Salut Marie, je suis un peu en retard car ma collègue est passée nous rendre visite à l'EHPAD, du coup j'ai loupé. Oh, mauvaise. Salut Hope, comment ça va? Je dors avec mes écouteurs des fois, ça aide à dormir. Oh, ça doit faire un mal d'oreille de ouf en fait. Je crois que j'ai déjà dormi avec, mais moi ça m'avait défoncé l'oreille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme petite toile? Ah, super, magnifique. Magnifique. Donc, comme tu vois, Marie. Ah, bah non, tu n'as pas trop suivi le let's play. Tibalt est revenu chez sa sœur parce que, vu que j'ai merdé à la réinscription des semestres, il peut pas aller encore en résidence universitaire. Donc, voilà. Ah, puis elle doit bosser. Moi, ouais, je pense qu'ils vont pas. Ils vont plus travailler très longtemps, hein. Voilà, elle a dormi, elle est contente, tu vas peut-être manger. Et avant que tu dises ouf, tu devras déjà aller au boulot. Compétence 7 en peinture, hein, quand même. Ah ouais, oui, d'accord. Non, mais quand je te dis que tu devais aller au boulot, je t'avais pas dit avec ton assiette dans la main non plus. Tu t'es pas obligée. Non, 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 non. Va bosser. On a besoin d'argent. Agent! Beaucoup d'argent. Argent, toujours argent. Et lui? Toi, t'as déjà. Mais. Et Jean-Claude! Tu vas nous vendre ça? 108? C'est nul! Tu te fous de moi? Luna Tala, bah, elle s'est mariée, elle. Chemin de la gloire.
Tu vas nous faire une toile représentant des Sims pour qu'on voit un peu les nouvelles toiles. Voilà, quand même. Moi, je suis amie avec une personne de la société secrète, mais rien de spécial pour le moment. Ah, d'accord, ok. Mais t'as pas réussi à l'intégrer. Ou ça fait pas vraiment du bien aux oreilles, au revel. Je vais dormir, m'étendre sur l'asphalte ou n'importe où et roupiller pour oublier. Oh, Bichette, qu'est-ce qui t'arrive? Bisous, tiens, rien que pour toi. Et les smiley boules. Alors, du coup, ici, il n'y a pas le smiley, les smiley boules et tout, hein, je suis désolée. Parce que bah, je les ai pas mis. Alors, je peux faire la fi être affiliée à un machin, à Twitch. Hein. J'ai complété les trucs et tout, je peux le faire. Mais bon, pour l'instant, c'était pas. Vu que je préférais aller sur YouTube, je ne l'ai pas fait. RT. Mais tu vas nous faire quoi en plus? Parce que. Ouais, d'accord. 433! Oui, ça me plaît. Vas-y, tu vas nous en faire une. Jusqu'à temps que tu meurs de fatigue. Vous voyez que 8 heures, hein, donc. Oh, un Sims tout nu, mais il n'a pas de sexe. Donc c'est bel et bien un Sims. Quand tu n'as pas des zigouégouettes, et bah, c'est un Sims. Voilà. Le pauvre. Qui n'a pas de zazette? Oh. Ça arrive, hein. Il y a d'autres gens aussi. Hein. Des fois, il y en a, ils en ont deux. Des fois, il y en a qui n'en ont pas. 444, oui! T'es fatigué! Il est 21 h! Mais t'as grossi, toi, non? J'ai l'impression qu'il a. Après, c'est peut-être l'habit qui fait des cuisses de perlimpinpin, là, mais. Allez, une petite dernière. Après, promis, tu peux aller au lit. Magnifique! Ouais, c'est beau. Ouais, effectivement, tu pourras aller te coucher après cette œuvre d'art. Hein. Merci, c'est un genre de smiley boule. En fait, c'est ça. Ou une Barbie. Ah oui, une Barbie, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Barbie et Ken qui n'ont pas de zigouinette non plus. C'est galère pour être admis dans la société secrète car il faut meilleur ami d'un Sims qui en fait partie, je crois. Ah ouais? Faut déjà savoir qui, en fait, déjà. Hein. De zigouigouette, j'aime bien l'écrire. T'es pas resté sur le live d'Antoine Nouz dernière fois? Parce que quand je suis partie, moi, comme j'avais mon rhume et tout, j'allais te dire au revoir et t'étais plus là. Je fais ah ben. Ben ah ben zout alors. Alors tu vas prendre une douche et puis après tu iras te pioter, cocotte. Là là, c'est jeune. Magnifique, Tibalt. Alors combien? 430 simflouz quand même, on va pas dire non. Hein. Ça, regardez, on va être à 3000 simflouz. Moi je dis ça, je dis rien. Je pense qu'on va pouvoir être à l'abri. Et tranquillement, ils vont pouvoir quitter leur job. Grâce à Tibalt qui s'en sort et qui nous fait des toiles avec du pognon dedans. Moi, la personne secrète a déboulé dans ma cuisine. Mais en plus, nous, on n'habite pas trop loin hein, du coin. Oh, attendez, je sais déjà plus où c'est. Ah, c'est trop beau. C'est ici. Il y a des gens! Il y a des gens! Il y a des gens! Ah, je suis toute. Ah! Il y a des gens! Ah! La société secrète has been found! Mais du coup, par exemple, même dans le créer un Sims, on ne les a pas les masques et tout. Il faut peut-être un code et tout pour les débloquer. Membres de la société Julie Roux, Billy Jong et Olivia Kim Lewis. Eh bien, Tibaltounèche. Oh, il doit pisser. Non, hey, tu vas venir en vélo jusqu'ici. T'as pas un vélo pour rien, mon chou. Et tu vas venir tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu fais du vélo ici. Tu vas faire du vélo et tu vas venir. Oh, il se passe des trucs! Oh là 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 là. Oh là là, il va se pisser dessus sur le vélo. Non, mais moi je les quitte pas des yeux. Il faut absolument qu'on en sache plus là. Le v'là, le v'là, le v'là, regardez. Ta-ta-da! Le voilà! Le sauveur de l'humanité! Avec son vélo et son chapeau, il va intégrer la société secrète. Voilà la zette. Voilà la zette, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. Alors,
Tu vas dire poser des questions sur la réunion suspecte. Là, tu vas te présenter. Tu es amicale, toi tu es amusante et toi tu es amicale aussi. Allez! Oh, Tib, ils sont là tous les vendredis. Ah! Oh, c'était quoi? C'est quoi? Mon dé. Ah! Oh, ça disparaît! La meuf qui est collée à son écran. Oh, ça disparaît! Tu peux parler? Poser des questions. Vas-y, pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Hein? En fait, c'est la réunion nocturne du club de jardinage. Oui, de jardinage, je vous assure, on ne fait rien de mal. Tralala. On est juste en train d'arroser les plantes. Oh, mais il serait pas l'heure? Non, mais ils vont pas partir déjà! Non! Mais va leur parler! Bah... Oh, j'ai réussi à en choper une. On a réussi à en choper une! On sait les noms maintenant. Oh, puis il va se pisser dessus, lui, ça va être quelque chose. Hein. Discuter des derniers jeux, vas-y, on s'en fout. On demandait de passer du temps ensemble. Illuminer la journée, même si c'est la nuit. Se renseigner sur la carrière pour aller voir où elle travaille. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie? Qu'est-ce qu'il est bête? Non! Reviens, madame. Demander de passer du temps ensemble. Mais c'est pas grave, tu iras pisser plus tard. Déjà, on a mis la main sur elle. Se renseigner sur la carrière, vas-y. On essaie de se renseigner sur elle. Mais arrête! Oh là là, et en plus, ils s'entendent pas bien. Mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Oh là là. Elle est professeure et mentor à cet endroit, association de fournisseurs de connaissances. D'accord. On va parler de cuisine. Faire connaissance. Pas mal! Retiens son nom. Car dans les connaissances, sinon pas leur cap. Ah oui, bah oui. Mais c'est pas grave si on peut les choper après dans la vraie vie, c'est pas un souci, hein. Il semble qu'il faut que tu fasses une offrande à la statue plusieurs fois et après il y a quelqu'un qui vient chez toi pour te proposer un. Mais on peut pas? Ah non, la statue! Sur le campus? C'est la prof de maths, ouais! C'est une pitre. Ça y est, mon fantôme, il est énervé, hein. Ça y est, il tape là. Il tape comme un forcené. Je pense qu'il essaie vraiment de creuser un trou pour venir chez moi. C'est pas possible autrement. Le fameux fantôme. J'hallucine. Allez, tu vas raconter une blague sur les canards. Mais c'est pas grave si tu dois pisser. Tu vas arroser les plantes comme elle aussi, hein. C'était trois meufs quand même, attention. Hein. Ah, mais non, j'allais dire les plantes, mais les plantes, elles sont congelées. Oh, elle est active cette demoiselle. Tu vas partager des idées? Oui, je sais. C'est pas grave. Tu vas recommander Mana et faire ça, et puis après on pourra rentrer. Amour, toujours. Technique de drague. Allez, on va tenter le coup. Si ça marche pas, I am sorry. Ah bah ça marche pas. Ah si? Ah si? Ah si Bonanga. Oh mais dis donc, mais c'est une coquine celle-là. Vas-y, envoie un baiser. Oui, je sais. T'as qu'à te faire un nœud. Et. C'est pas grave. Ah bah voilà. Zut. Allez, c'est pas grave. Tu lui envoies un baiser qui pue, et puis tu vas rentrer. Tu vas rentrer à la maison. Vas-y. Ça sent les pieds ici. Bon, peut-être qu'elle est archi moche, hein, mais au stade où j'en suis, je m'en fous. Ah, mais non, c'est la mère! Ben oui, mais elle est mariée et tout, elle. Billy Jang et Julie.
roux. Bah voilà, on les a. On a leur connaissance. Vas-y, arrête de lui parler, on rentre. On va rentrer. Ah, il y a déjà son vélo. Mais t'es mignon. Oh, il a changé de casque encore. Bon, salut, hein, à la prochaine. Mais si j'avais su qu'ils étaient là tous les vendredis, moi, j'aurais fait en sorte de les attendre. C'est trop rigolo. Oui, bah heureusement qu'on lui a mis un vélo, hein, parce que... Waouh. Vas-y, je vais prendre une douche. Un minimum. C'est pas grave, on a découvert qui faisait partie de cette fameuse société grâce à toi, mon petit. C'est déjà pas mal. Ouais, bah, il va tomber dans les pommes, sinon je le sens. Mais va dormir, Jean-Claude! Jean-Claude Duce, allez. Oh, dis donc, hein. Eh, il va se coucher à l'heure où normalement il allait bosser. C'est pas grave. Ouais. Il va se requinquer. Épreuve de débat. Oui, alors ce sera son nous, hein. On va pas commencer. Elle, bah écoute, toi tu vas pisser et puis tu vas manger. Ça, c'est déjà ça. Nous avons découvert 3 membres de la société secrète. Je suis contente. Je suis toujours là, j'ai rien suivi. Je fais plusieurs choses à la fois. Oh là là! C'est un fanboy qui gaffe. Fais gaffe. Qui ça? Qui c'est quoi? Nana, coucou bébé. Salut Alexa, comment tu vas? Je suis trop contente de... Oh, hop, poupinette en live. C'est pas facile de faire une offrande, il faut faire des recherches. D'accord. D'accord, bah, il faudrait qu'on aille sur un des campus, du coup. Pour qu'on voit ça. C'est vrai que je l'ai même pas vu, la fameuse statue, là. C'est la statue du livre, en plus. Ça va? Oh là là, mon dieu, je m'ennuie, je parle à personne. Bah, t'iras les appeler, elle, après. Je peux appeler ta mère aussi, mais comme t'en as pas... Enfin, c'est moi. C'est moi, leur mère. Moi, je l'ai... Je les appelle pas. Ils m'appellent pas non plus. Bon, ça va? On va les laisser dormir un petit peu. Une nuit de 5 heures, c'est quand même pas beaucoup. Hein. On va le laisser un peu... Journée vive en université. Ok. Bah, c'est bien, elle taffe. Tu taffes sur quoi, par contre, Georgette? Parce que... Fleur terrestre et fleur marine. Oui, j'aurais préféré que tu fasses celui-là avant, mais bon. Faudra le faire quand même, donc... C'est pas comme si, hein. Et toi? Bon, allez, tu vas te lever. Tu sais que tu vas vendre ça. Et je vais leur faire quitter leur... Non, pas nettoyer. Tu vas prendre une douche. Oui, Choupi! Tu vas y manger après. Oh là là. Il te restait encore un peu de cracra, du pipi aux interstices. Alors, il fallait bien que tu te nettoies. Oh la vache, Alexa, je suis désolée. Et bon courage pour ton deuxième taf. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Et oui, bah, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez, tu vas être propre comme un sous-neuf après. Ah, je suis contente, on va pouvoir peut-être intégrer la société secrète El Societas. Secretas. Et merci Stello pour le follow. Et bienvenue. Bon, tu manges, Jean-Claude. Oh, il y a du poulet qui pourrit encore sur la table. C'est pas comme si on en avait 15 000. Hein. Et toi, t'as fini ta vie, toi. C'est quoi tes cours là? Je sais plus. Faut trop compliqué. Ah, elle les a quand même fait, hein, tout en entier. Hein. Est-ce qu'on bosse ou est-ce qu'on fait autre chose? Université. Gnamigna, travaux universitaires, dissertation, tricher pour les devoirs, étudier. Ouais. Non, c'était quoi déjà? Pour le truc de la société secrète? Programmé. Ah oui, déjà, tu vas rembourser une petite partie du prêt. Oui. Oui, nous pouvons. Yes, we can.
Minimum, alors 756 quand même, hein. Bah, tu vas mettre 256. Il restera, c'est pas énorme, hein, on pourrait, hein, je suis d'accord avec vous. Et lui, il est à moitié sur le truc, d'accord. Et toi aussi, tu iras rembourser une partie. Mais toi, lui, il va y payer entièrement parce que, comme c'est grâce à lui qu'on a gagné de l'argent. Mais c'est dégueulasse. Tu peux me nettoyer. Mais il n'a pas été pissé! Mais que je monsieur. Hop! Voilà, lui, il n'a plus rien à rembourser. On est quand même à 2000 simflouz. Tu peux aller aux toilettes, s'il te plaît. Et après, on va bouger. On va aller voir la fameuse statue. Oh! Bah, la neige, elle refond. Ok. C'est où, du coup, la statue? La statue! Tududu! Donc, nous allons évidemment avec notre frère, avec qui on n'a tellement pas le temps de parler qu'on n'est pas très amis. C'est quand même incroyable. Ils sont top les clubs, surtout celui où tu soutiens ton université. Ah ouais? Je sais pas, je ne sais point. Voilà, le jeu qui rame, qui répond plus. On est content. Ça va me faire un truc genre. Ah bah, il a crashé. C'est ici, du coup, ça. Bright Chest, avec le livre. Oui, c'est ça, je le vois ici. Alors, oh, gna, bah, du coup, on va aller au. Maison L sombre. Non, va là. Alors, j'ai fait pause. J'ai fait pause le jeu. Maintenant, tu t'arrêtes de me provoquer. Alors, oh là là. D'accord. Bon, il y a tout. Il y a le fameux dragon. Oh, le dragon. Darby le dragon. Donc, il faut faire des offrandes. Contempler, recouvrir la statue papier toilette. Faire une offrande pour la réussite. Pharaon n'a rien à offrir. Utiliser les machines d'archivage et recherche pour en savoir plus. Ah! Et toi, est-ce que tu as quelque chose à offrir? Non plus. Bon. Ok. Mais ça nous aura bien servi à quelque chose, tiens, de se taper un chargement comme ça. Acheter des objets. Bon, écoutez, si. Ah, c'est. Ah oui, c'est. S'entraîner à débattre. Et là, c'est le truc marre, c'est ça? Faire des recherches. La société secrète locale. Tout, 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 tout. On va les y mettre tous les deux. Hein. Méthodologie de recherche. Je sais que ça sera erreur 404, mais. On les a vus maintenant, on sait. Donc peut-être que ça va débloquer quelque chose. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Visiblement, nous ne pouvons pas. Ah, fitness. Bien écrire grâce aux critiques, vas-y. Mais arrête de parler à ta sœur. Oh, chiant, suis toi. Tiens, elle a un ordi magique. Elle vient pour jouer aux Sims. Voilà, c'est beau les étudiants. Pourquoi il faut offrir quoi? Plus de choix. Je sais pas moi. Est-ce qu'il faut pas insister? Écoutez, hein. On va pas se taper, hein? Ah, super. super, je savais pas que c'était OK. On va pas se taper 10 000 trucs alors qu'on peut rien faire là. Nous, on veut faire des offrandes. C'est complexe hein, leur truc, hein. Ah, d'accord. Ah, il faut pas faire. Mais pourquoi, monsieur, vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui a étudié il y a plusieurs centaines d'années dans le. Vous avez été enterré avec les dans les murs ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et eux là. Ah, il y a le homard qui est là! Ah, le homard, il a enlevé sa tête. Ah, c'est une fille! Oui. Audrey Lopez.
Ouais. D'accord. Ils ont l'air vachement à fond, tes potes, hein. D'accord. Oui. Ah là là, je sais pas. L'offrande, c'est peut-être de la nourriture. Ah ouais, puis nous, on n'a rien à bouffer à chaque fois, quoi. Il n'y a pas un barbecue dans le coin? Ça me dérange pas. Ah, il n'y a pas d'étage. Ouais. Ok. Kaboom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Discute, Tibet et Romain. Non, mais s'en fout. Ah, non, j'ai bugué d'un coup, excusez-moi. Tu vas aller faire un jogging parce que t'as besoin de courir, là. Je te vois, je sais que t'as besoin de courir. Unga, Unga. Tu peux arrêter de parler, là. Alors, il fait des recherches. Erreur 404. Farah part travailler. Ah, oh, merde. Marthe, ça fait oublier. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas trouver quelque chose? Pourquoi on ne peut pas faire d'offrande? Dégrader la statue. Ah oui, c'était... Oh, mon Dieu. Bah t'es pas sortie de l'auberge, toi. Lilith, sympa. Ah, Airi Pawa. C'est pas ici qu'on va les croiser, les meufs, là. Hein. Les meufs qu'on a vues dans la société secrète. Dans Secret Society. Ce n'est pas Secret Story, c'est Secret Society. Quel est son secret? Tout, 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 tout. Le vent me fait pleurer. Oh, Bichette, barbecue près de la rivière. Hein? Interdit par de larmes dans ses jolis yeux. C'est beau. Barbecue. Ah oui, très bien. Je n'avais point vu. Oh, ben, t'as monsieur en chaleur qui vient faire du barbecue. Ah bah ben non. Je pensais. Tu vas agréer des saucisses. Les fameuses saucisses, hein, on est toujours... Qu'est-ce qu'il a? Recherche terminée. Ah oui. Viens faire des saucisses. On va tester. Hein. Oh, dis donc! Saleté! Oh! Oh! Il nous invite à dîner. Ok. Allez, on s'en fiche. Nous, on y va. On lâche tout. On lâche les saucisses. Pour des melons. N'importe quoi. Waouh! Il neige à la jungle! Il neige dans la jungle! Il est fatigué. Il va falloir que tu tires ton coup, mon petit, hein, moi je te le dis. Hein. Est-ce que j'avais mis. Alors c'est un resto que j'avais fait moi, hein, pour ceux qui se demandent. Ah, oui, non, je me trompe de touche. Est-ce que j'avais mis un buisson à crac-crac? Non. Ou à pipi, hein, au pire. Ouais. Ah, ça se casse la tronche, hein, attention. Ah, non. Oh là là, madame. Oh, madame, vous avez... Bah, tu m'étonnes que t'as un peu froid. Faut pas mettre les loches dehors, comme ça. Hein. C'est pas bon pour... C'est pas bon, en plein hiver, comme ça. Plus, c'est la tempête, hein. Attention. Hein. Alors, on va aller voir avec Tibet. Mon petit resto, c'est le seul que j'ai fait, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est un des premiers speed builds que j'avais mis sur ma chaîne. Je suis quand même très très fière de ce... Oh, regardez-moi cette salle. Oh, c'est trop beau. Est-ce qu'on aura le droit à la salle des amoureux? Non, non, on a la salle. C'est pas la salle, c'est la table des amoureux. Mais c'est pas celle-là, normalement. La table des amoureux, elle est derrière le truc, là-bas. Au-dessus de ma tête, du coup. Ah, c'est pas grave, on a quand même la petite bougie et tout, et puis ça y est, ils sont déjà tout comme des oufs, là, alors... Bon, elle est pas trop dégueulasse, mince. Ouais, elle est quand même... Ah non, elle n'est pas mariée. Mais elle a un gamin. Bon,
C'est pas grave, hein. Je veux dire, elle a déjà servi, mais c'est pas un souci, hein. Oui, je suis toujours dégueulasse. Voilà, parce que si t'arrives à te la faire, on va pouvoir peut-être intégrer la société secrète. C'est juste pour ça, hein. Nous, on s'en fout du reste, hein. Mais si tu t'arrives à te la taper, voilà, hein, tant qu'à faire. On va influer, donner des ondes positives de Bordeaux dans Tibalt pour qu'il y arrive. Mais bon, j'ai l'impression que c'est bien parti parce que elle, celle qui l'invite et tout, là, enfin, il va devoir payer sa part, bien sûr. Hein. Mais quand même. Donc, du coup, on va essayer de la travailler au corps, la coquine. Voilà. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Conversation profonde. On s'en fout de la star, hein, je vous le dis direct. C'est pour ça qu'il s'en va, il se dit, ouais, attends. Les mecs, je suis là, ils crient pas après moi, je ne suis pas une star. Je veux dire, même quand je vois des vraies personnalités dans la vraie vie, je ne suis pas en train de hurler, quoi. Ça arrive, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Ça d'avoir regardé ce Spielbild. Oui, ça remonte, hein. Tu m'as fait rêver au postulat avec ce pack jungle. Ah, mais je l'adore, moi. Les fougères et même les meubles et tout sont trop, 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 trop beaux. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et même l'ambiance là-bas et tout, ouais, c'est top. En fait, vraiment, depuis ce pack-là, je trouve qu'il y a une qualité très, très belle au niveau de tout, en fait. Des Sims, des meubles, des mondes, c'est incroyable. Alors. Kaba, Kaba Chabé. Tu peux faire connaissance, discuter des centres d'intérêt, voilà. Monter, monter, monter. Mais arrête. Pendant que ta sœur, elle bossait, et lui, il prend du bon temps. Et je vais peut-être commander un jour ou l'autre. Mais oui, c'est vrai, je suis un peu bête des fois, moi. Ah, attendez, on va encore lui dire un truc sympa. On va essayer de faire connaissance, si je le trouve. Là. Et puis après, on va commander. Mais je sais pas ce qu'elle mange, moi, la madame. Commandez pour la table. Amatrice d'art. Oh, ben, dis donc. Il y a quand même des choses qui font que, hein. Voilà, hein, j'ai envie de dire. Voilà. C'est où ce restaurant dans les Sims? Dans quel monde? Je crois qu'il est à Willow Creek. Je l'ai installé à Willow Creek. Oh là 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 là. Les Sims 4 ne répond pas. Est-ce qu'il va le crasher? Non! Alors, on va prendre un verre et puis. Alors, Galapofanco pour elle et lui, il va se prendre un Navornalino. Ouais, je crois que j'ai. Ouais, j'avais pas cliqué, cloqué. On va pas prendre d'entrée, on va prendre un plat direct. Alors, je vais essayer de prendre un truc qui soit végé. Normalement, j'ai tous ces traits, mais au cas où. Elle aurait des envies de végétarien, j'ai pas envie. Chopino. Chopino, c'est végétarien, les enfants? C'est moi qui ai fait la carte, hein. Enfin, je m'en souviens plus. Hein. C'était mon premier et seul resto que j'ai pu faire. Hein. Gnocchi, allez, des gnocchis. Des gnocchis pour tout le monde. Des gnognos, des kiki. Ouais, des gnocchis. Voilà. Oh là là, ça rame. C'est dommage parce qu'il fasse moche, parce que j'ai envie de vous dire que. Oh là là, ça rame. Oh. Je vais même enregistrer comme ça va être fait. Je ne perdrai pas tout à partir de ce moment-là. Et j'avais une question pour MC Commander. Je sais plus le nom, j'ai essayé de passer par ton lien sur ta vidéo explicative et je tombe sur une page noire. Bon, chez moi, ça déconne parfois. J'aurais bien aimé le mettre. J'en ai marre de mon. Ah, c'est ça, parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a mis dans le commentaire. La page est toute noire. Je dis, mais tu parles de quelle page? Parce que moi, je ne comprends pas. Tu peux expliquer. Tu vois, la page est toute noire, j'en sais rien. Ben, au pire, tu fais MC Command Center dans Google et t'atterriras sur la page. Hein. Normalement. Quoi? Ah ouais, est-ce que ça bug parce que j'enregistre ou parce que le truc il foire, c'est les Sims. Hein. Alors, petite visite du restaurant. Vous pouvez juste aussi venir boire un verre, hein, comme cette demoiselle. Tac. Voilà, on a la partie bar ici, hein,
pour boire un coup, bah, c'est pas très, voilà, il n'y a pas trop de monde. Mais c'est après c'est franchement, vous savez ce que je me dis, c'est que j'ai quand même amélioré mes skills depuis, hein, ce franchement. Mais j'aime bien l'entrée. L'entrée, elle me fait kiffer avec les fougères et tout, j'aime beaucoup. Et la salle, elle est quand même magnifique. Hein. J'adore. Il y a une grande table pour les grandes familles. Et puis il y a des tables de un peu plus, un peu moins. Et puis la table des amoureux, elle est là. Vous voyez, elle est un peu cachée. Ça, vous venez manger ici, vous êtes un peu tranquille dans l'intimité. Enfin, après, ce soit s'il y a Jean-Pierre qui vient avec ses potes ou sa famille. Voilà. Tchouk! Ici, bah, on a la cuisine. Immense, vide. Parce que je savais pas quoi faire d'autre, mais je pensais pas aux meubles hauts, j'ai pas pensé aux meubles hauts. Nous avons un unique toilette, ce que j'avais pas prévu, j'ai oublié d'en mettre. Donc, voilà. Un seul toilette. S'il est bouché, pas dans la merde. Et puis on va monter et là-haut, il y a. C'est super beau là-haut. Mais bon, là, il fait moche, donc ça va pas rendre bien. Et une terrasse. Du feu de Dieu. Ah mais il y en a quand même qui sont venus, hein. Alors forcément, quand c'est en été, c'est plus sympathique. C'est de la vaisselle sale, d'accord? Et du coup, on a une très belle terrasse avec pas mal de déco. Ben, ça, c'est quelqu'un qui est resté trop longtemps dehors, hein. Et puis il est mort. Madame, vous êtes chauve. Puis voilà, il y a des petits canapés, tout ça, on peut se poser, tout ça. Bon, en été, c'est quand même vachement plus agréable. Il y a des fougères partout, tout ça. Voilà, c'est très sympa. Et de l'autre côté, eh bien, c'est vraiment la jungle ici. Voilà. Ici, ça. Ah ben, il y a des trucs à pipi. Ah, j'en avais collé un ici. Et un deuxième là. Mais je l'ai pas mis. C'est pas accessible en fait. Il y a la jungle là, mais je l'ai pas mis accessible. Bref, voilà, on s'en fout. C'était histoire de. C'était histoire de faire ma publicitade. Voilà. Ça a coupé chez moi de Twitch, mais c'est bon. Ah mince! Je ne sais pas. Attends, j'ai zéro image de perdu, je sais pas d'où ça vient. Merci beaucoup, Céline. Il est trop beau ce resto, ça me donne envie d'y aller. Bah ouais, hein, écoute. Sans soussaille, je t'invite si tu veux. Sachant que c'est un restaurant, eh bien, complètement inventé, ça ne va pas me coûter beaucoup. Voilà. Allez, oh, mais c'est bon, Jean-Claude. Qu'est-ce que j'ai avec les Jean-Claude? Faut que j'arrête. Jean-Claude, Jean-Pierre. J'ai une obsession avec ces prénoms, moi, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut lui poser des questions sur la société secrète ou pas? Je ne pense pas. Pour l'instant, il faut un peu monter la relation. Hein. Tiens, tu vas lui raconter une blague? Salace. Floopy! Merci, merci, mais vous êtes trop mignon, et mignonne en l'occurrence, peut-être. Vous êtes très gentil. Bon. Autre Sims. Si on s'est né sur un autre Sims. Alors, Julie Roux, c'est qui faisait partie de la société secrète. Je sais pas, on essaie de creuser un petit peu, on essaie de noyer le poisson là où il y a, où il a pied. Discuter des techniques d'entraînement, amical. Discuter des théories des couleurs. Amical. Qu'est-ce qu'on pourrait lui raconter à celle-ci? Je n'ai pas eu plaisir de rencontrer Julie. Bien sûr, madame. C'est pas parce qu'on t'a rencontré hier soir avec elle, hein, mais t'as raison. Bon, j'espère que la bouffe va bientôt arriver parce qu'ils vont tomber après. Hein. Ah, c'est mon manger? Ah non, c'est pour au-dessus. Bon, y a pas foule au resto, mais c'est sympathique.
Pendant que l'autre il se fait prendre en photo à côté là. Discuter des centres d'intérêt. On va bombarder de faire connaissance et tout parce que sinon je vais peut-être pas avancer. S'il faut être meilleur ami, nous le serons. Ah, voilà la bouffe. Se plaindre d'un professeur, se vanter de ses notes. Oh, ça donne envie, en plus avec les verres comme ça. Yebzé. Frisch. Bon bah bon app hein, les enfants. Vous aussi si vous regardez. Si vous êtes en train de manger. Bon, c'est pas un prix de beauté, mais on fera avec. Qu'est-ce que... Laissez-nous tranquilles, nous on est en train de dîner là aussi, franchement. Zebora. Tu peux faire connaissance, s'il te plaît. Ah, attends, tu vas raconter une histoire délicieuse aussi. Ah bah. Attends, tu vas raconter une histoire délicieuse tout de suite. Il m'a fait peur. Jean-Jacques. Jean-Jacqueline. Bon, dis, mec, laisse-nous le temps de finir à bouffer, moi, non, pour amener le verre. On aurait très bien pu commander un autre verre. Hein. Tant pis pour lui, hein. On ne reprendra pas. Ou la menteuse. Ah, il veut qu'elle le menotte. Peut-être. C'est peut-être ça. Complimenter la tenue. Amour. Draguer. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Faire une blague sur la mode. Conversation profonde. Ouais, rien. Ouais, c'est profond. Oh, dis, lui, mais il est au taquet, le mec, là. Pourquoi mes Sims à moi, ils font pas la vaisselle? Oh, hé, madame, voleuse. T'es limite, on vient à peine de finir, on a encore le verre comme ça, qu'elle nous arrache le truc, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il tombe dans les pommes. Oh non, mais Tibalt, c'est pas comme ça qu'on va avoir des infos. Elle est partie où? Elle est partie aux toilettes. Vite! On peut aller la choper dans les toilettes! On la coince et on lui demande d'avouer tout. Si seulement, hein? Si seulement. Bon, il est 2h du mat! Je n'ai point vu le temps passer, moi. Du vin rouge et blanc, oh non, zut, c'est nectar. Exactement. C'est des nectars. Drôle. Raconter une blague salace. Vas-y, mange mon choupi. Ah, il va embarquer son assiette. On n'est pas dans un fast-food, tu sais. Nous, t'es censé manger à ta table. Hein. Le mec, il va au radar, il a les yeux fermés. Ah bah oui, avec la meuf qui est à l'autre côté en train de pisser. Normal. Je ne peux pas écouter le live, je sors du ciné et j'ai écouté quand... Comment voir la rue? Je la mettrai sur YouTube après, je sais pas encore quand. Amical, complimenter la tenue. Drôle. Ça monte quand même, hein, tout ça. Faire manger de la neige. Complimenter. Bon, conversation profonde. Encore, et oui, toujours. Ça va, ça les dérange pas les autres. Hein. Bon, discuter des sans désirs. Après, t'iras aussi au pipi, mon petit. Tant qu'à faire, vu que t'as fini ton assiette. Ouais, je la pose là n'importe où, c'est vrai, c'est pas très très grave. Salut, Sianana. Salut, maman grenouille. Comment tu vas-tu? Eh bien, écoute, maman grenouille, nous avons commencé à nouer des liens avec des personnes, du moins une, qui fait partie de la société secrète. Elle est où? Ah, elle est retournée à la table. Voilà, et on est plutôt pas mal. Tu vois, et puis on va terminer et repayer l'addition. Voilà.
Et tu vas rentrer à la maison parce que là, il est un peu tard et qu'à un moment donné... Oh, on peut l'emmener! Alors, on l'emmène. On n'a pas de lit de place, donc ça va être compliqué, mais on va l'emmener quand même. Bon, peut-être qu'on va trouver quelque chose à faire. Hein. Nous deux... Mais c'est quoi cet enfant, là? Il est venu pour le rituel magique, là? Faut qu'on l'éviscère? Oh là là, alors soit... Ah non, c'est... D'accord, j'ai rien dit. Ça veut dire, il a une couleur bizarre. Hein? Mais en fait, c'est normal. Voilà. Je ne sais plus de qui c'est l'enfant, mais je m'étais amusée à faire une femme qui avait plein d'enfants avec... Voilà. Et toi, mon toit. Ah, c'est vrai. Non, ils peuvent pas faire crac-crac sous la douche. Ouh, c'est triste, c'est tristesse, ça. Bon, bah, Tybalt, tu vas aller tout de suite te pieuter. T'as pas le temps de niaiser, t'as pas le temps de dire ouf. Oh non, 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 il tombe dans les pommes avant. Alors, il avait monté les marches, mais il les redescend quand même, parce qu'il se dit, c'est dangereux! Je vais les descendre au cas où, quand je tombe, je me casse la tronche et je me... Ça lui fait, on dirait, une poche à caca. Elle est partie où, Jacqueline, là? Ah bah, elle joue. Et toi, t'as dormi. Bah, tu vas te dormir aussi après. Parce que là, on peut pas faire grand-chose avec Tibaltounèche. Tout neige. Il est fatigué. Madame, la chambre de votre Dulciné, elle est à côté, hein, au cas où. Oh là là, pas contente. Mais non, elle est bien, elle est là. Elle va regarder la télé. La météo. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme météo? Ouh là là, mon Dieu, c'est l'hiver. Ah ouais. Ça arrive, hein. Bah, est-ce qu'il n'y a pas forcément de la neige tous les hivers? Pas comme... Dans les Sims, hiver, il neige. Sauf si t'es dans le monde genre Strangerville, Sulani, tout ça. Mais je veux dire, si t'es dans à peu près un truc comme ça, t'as de la neige, hein. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, t'as pas de la neige tous les ans non plus, hein. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. L'enfant glacé. Le crac-crac sous la douche, c'est uniquement avec le pack fini. Oui, apparemment, ouais, je suis un peu déçue là-dessus parce que je pensais que ce serait ajouté avec le jeu de base, mais en fait pas du tout. Donc c'est un peu dommage. Mais il faut absolument que ce soit un truc fermé, en fait, qu'il n'y ait pas de. Qu'il y ait des parois, en fait. Si la douche n'a pas de parois, ça ne marche pas. Chez moi, des fois, quand je clique sur la douche, il n'y a pas le crac-crac, mais si je clique sur le partenaire, il y a le crac-crac sous la douche. Ah! Ah! C'est possible, c'est possible. De toute façon, qu'il y a de son ambiance, ça fait penser au sketch de... Je sais pas. Connais pas. 7h du matin. On est dimanche. Comment dire? Ils vont travailler. Non, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Elle est encore là. Faudrait juste qu'il essaie de se la faire, hein, et puis après on sera tranquille. Parce que là, ils vont bientôt vieillir. Ah bah, ils deviennent adultes en 6 jours, hein, 40 ans. Ils auront passé 20 ans à l'université. Hein. Merci les Sims. C'est intelligent votre truc. Ah bah, s'en va. Bon, bah, c'est pas grave, on la reverra. C'est pas un souci. Allez, 9h30. Ah bah, je pense beaucoup à toi et je voudrais te proposer un rencard. Aimerais-tu prendre un petit déjeuner avec moi au restaurant? Mais on vient d'y aller, meuf! Non, j'ai pas envie de me retaper un truc. Non! Non! Allez, il est 9h30. Ouais, tu vas nettoyer, tu vas... Non, tu vas pas améliorer. Tu vas prendre une douche. Toi, tu vas aller pipi et tu vas aller manger. Ah, là, tu vas faire la cuisine. Elle va faire la cuisine, donc on est prêt à mourir dans d'atroces souffrances. Ah, mais non! Ah, bah si. J'avais oublié. Ah, allez, le burger VG. Le burger VG. J'ai failli faire les saucisses. Ça va aller, c'est logique, mais c'est chiant qu'il n'y a pas de neige.
Ben moi j'en ai. J'ai eu de la neige moi de le sauver. À part ramasser la savonnette. What? La flotte et le savon, mais pas l'exhib. Salut Céline, à bientôt. Salut Nude. Ah purée, c'est long. Ah, 20 ans, hein, 20 ans d'études hein, pour un diplôme. On va espérer qu'il vaille le coup, hein, ce fameux diplôme, hein, ces années de galère de travail auront payé. Alors, d'ailleurs, elle, je vais peut-être lui laisser son taf, parce que lui, vu que c'est avec lui qu'on va continuer. Elle a envie, hein. Elle a envie, hein, Jeannette, hein. On va pas se le cacher, hein. Ça y est, elle a trouvé un petit jeune, là, la cougar, elle se dit, ouais, volontiers, ouais. Mais vas-y, mes connasses! Qui c'est qui vient taper à la porte, j'ai entendu? Mais pourquoi tu vas lui parler? Pourquoi? Bah, remarque, elle a tellement besoin de social, elle, vas-y, discute. Ah, t'as raison. Nous, on va s'occuper de Tibaltoun. Mais je t'ai pas dit d'aller dire bonjour. T'as passé la soirée à parler là, avec la meuf. Va t'asseoir. Tu vas avoir froid. Tu manges? Oh, toi, tu vas jeter. Elle est partie, ta nouvelle copine? Concours de robots fonctionnels. Bon, ça, on l'avait déjà fait. On avait vu les différentes choses. Alors, mon petit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bichon! Casse un peu les pieds derrière. Tu vas venir t'asseoir, on va te faire travailler. Tu vas faire ta cour dans 20 heures par la physique de la musique. Alors, la physique de la musique. Allez, les Sims. La physique de la musique, voilà. Tu vas me faire ça. Et tu vas aussi démissionner d'ailleurs pendant que j'y pense. Parce que c'est ça que je disais. Assister à un cours de compétences. Ouais. Prendre un jour de congé. Tu vas démissionner. T'as plus besoin de. Vu que tu nous fais des toiles. De ouf! Oui, t'as froid, mais tu. T'as qu'à t'habiller? T'as qu'à mettre le chauffage? Espèce de sauvage. Je n'ai eu aussi de la neige qu'à des sols, par contre, je n'ai jamais eu à Oasis. Je joue pas à Oasis, j'aime pas. J'aime pas le désert. Alors, autant j'aime pas le désert d'Oasis Spring, alors qu'à Stranger View, je trouve ça très très beau, tu vois. Avec les montagnes et tout, je sais pas. Et elle bosse sur quoi? J'ai même pas. Tout juste commencé. Bah c'est très bien. C'est très bien, elle fait les cours qu'il fallait. Il faudra que tu bosses dans ta machin. Aussi ta dissertation. C'est bien, ils travaillent tous. Oh, il casse les pieds. Il du froid. Il du froid. Il du froid. Allez, dans 2 minutes. Voilà, ça ira mieux. Oui, ah oui, on démissionne. Ça y est, tu te sens bien, tu te sens. Voilà. Tu vas devoir faire ça. Et ça. Dans ces cordes. Et t'es fatigué aussi. Oh, t'es chiant. Hein, t'es un peu chiant. Tu vas faire dans ces cordes, comme ça au moins c'est fait. Il est 15 h, Paris s'éveille. Toi, dans 20 h, elle a terminé, c'est bien. Ah, ben c'est super ça. Tu vas pouvoir commencer à faire ta rédac. Donc, université, travaux universitaires, c'est dissertation rédigée. Ça travaille, quoi. Qu'est-ce que. Ce besoin social est tellement incroyable. Travail.
Tu sais que là, tu te retardes ton heure de coucher. 16 heures, mais t'iras faire une sieste, mon gars, mais hors de question que t'ailles te do dormir, quoi. C'est ça de faire d'affoler les folies de son corps jusqu'à pas d'heure la nuit, là. Marie qui joue toujours quand je suis en train de jouer. Maintenant que j'ai Stranger Things, j'ai tendance à oublier Oasis Springs. Ouais. Moi, je préfère. Enfin, après, voilà, Oasis Springs. Je sais pas s'il était dans le jeu de base ou pas. J'avoue, je crois. Mais je trouve que le décor, dans le fond, vous savez, quand vous faites ça, c'est pas beau, quoi. C'est vachement pas beau. Alors que quand on regarde Stranger Things, c'est magnifique. Les montagnes rouges, là. Arrête de parler! Et en plus, vous vous faites des vachetés, là. Non, mais... Hé, des vachetés, oui. Des vachetés. Oui, Shirley. Et vénère, Choupi, là. Allez, t'as bientôt fini. Tu iras faire ta petite sieste. Allez, tu iras faire un caca en étant en colère, après. Oui. Elle joue à SimCity. Allez, va faire ta sieste, ça va aller mieux. Voilà. Il aura plus besoin de se lever aux aurores pour travailler, donc ça c'est cool. Parce que bon, il fait une toile, il gagne plusieurs jours de boulot, donc. Il n'y a que les siestes qui durent 3 heures au lieu de 20 minutes, on s'en sortira mieux. Tu me donnes envie, c'est de ta faute. Je l'avais dès le début, c'est là que j'ai fait ma première construction. Ah ben, moi j'ai vraiment du mal avec Oasis Springs. En fait, j'ai toujours tendance à vouloir, vu la couleur et tout, enfin le désert et tout, je me sens obligée de faire un truc qui a un rapport avec le désert et en fait, on n'est pas obligé quoi, mais j'ai du mal. Alors, fais voir où t'en es de ta Dissertation modifiée. Qualité médiocre, remettre. Qualité médiocre, remettre la désordre. Plagier. Ah, puis après, tu la modifieras un petit peu. Vas-y, va la modifier maintenant. Hein. Ça, c'est. On perd pas trop de temps. Tu dois faire une présentation ou pas? Passer l'examen. Donc, c'est bon. Tu dois juste refaire ça, c'est le job en plus. Elle a fait tous ses devoirs sauf fitness et protéines. Ce qui est déjà pas mal. En fait, à la base. Je voulais pas la jouer, mais je sais tout plus fort que moi. Je ne veux pas laisser ma Sims toute seule à l'abandon. Je sais très bien qu'elle fera de la merde. Oh là là, Tibalt, tu vas manger, tu vas regarder la télé. Tu vas te détendre un film. Alors, Massacre au clair de lune. Non, bah non, elle travaille. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu vas regarder un film. Alors, tu vas revision mouvementée à l'université. Wouhouhou! Coquin. Je vais faire ça. Voilà, il se marre déjà. J'ai bon goût. C'est marrant car c'est Stranger Ville que j'aime moins pour y habiter, mais bon, j'ai jamais tenté non plus de croiser les voisins. Les voisins. Ouais, mais tu vois, une fois que tu y es, tu fais pas attention, ils vont pas venir t'enquiquiner en fait. Le secret de Strangerville n'est pas un problème en fait, c'est ça qui est bien. C'est que tu peux jouer et t'as juste les... Ils sont comme ça, mais après ils t'embêtent pas plus que ça. J'ai cru voir passer un petit minout. Un petit minout. Est-ce que c'est si intéressant que tu regardes? Ouh! Prochainement dans les Sims 4. Oh punaise, comment il se tapait la tête quand... La violence! Ah mon dieu! N'importe quoi. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, dans les Sims 3, il y avait exactement la même chose que les Sims 4. Regardez! C'est les mêmes animations! Il n'y a aucune création, c'est juste du recyclage, quoi. Ah, ça, je sais pas si on peut le faire, par contre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce quoi? Ah. Ça, je sais pas si ça marche. Ça, bah, on a la même chose, a priori.
C'est un peu... Il y a quand même des choses similaires, hein. Ça peut être un jour, si je travaille bien, ils auront leur diplôme. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Ah bah il est là. Bon, il en a eu marre. T'as même pas... Il a pas mangé. Je lui ai dit. Vous avez vu, je lui avais dit de manger. Mais ils font collection d'assiettes vides, ces idiots. Regardez-moi ça. Ça y est? On va aller voir si elle a bien travaillé sa disserte. Qualité exceptionnelle. Et là, vous allez pouvoir discuter. Se plaindre du prix des livres. Oh, bah, elle va pisser, meuf. Coucou, mon loulou. Zikafouni. Non, c'est bon, mais va faire tes trucs. Oh là 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 là. Complique la vie, moi aussi, c'est ça. J'ai un petit Dexou qui s'est réveillé. Il dit... Eh, je crois que je fais la dalle, moi. Y a des Théadas, par exemple, Sahara et Vegas, c'est pas le même genre, ah, c'est sûr. J'ai dit, moi aussi, j'aime pas trop l'architecture là-bas. Comme tu dis, on n'est pas obligé, ça m'inspire pas. Ouais, voilà. Il joue à la dinette quand tu tournes le dos. Mais j'ai cru qu'il avait, il s'était resservi un burger. J'ai dit, mais il n'y a pas touché cet enfumeur. Tiens, loulou. T'avais pas fini tout à l'heure. J'ai prévu. Je le connais, hein, l'animal. Il mange mon petit bébé d'amour. Cette nuit, alors, Dex, on s'en fout, hein, c'est le passage. Je parle de mes chats, donc on s'en fout. Au moment où je suis allée dans ma chambre pour regarder ma série, t'as Tyrion qui l'a emmerdé, comme d'habitude. Dès que j'ai le dos tourné, il lui saute dessus. Et du coup, bah, elle va faire à bouffer. Mais... elle muse, cette fille, elle muse. Et du coup, bah, je l'ai emmené, je l'ai pris avec moi dans la chambre, et puis il a fait un gros dodo et tout. Puis après, quand j'ai essayé de dormir, bon, il était tard quand même, hein, dans la nuit, il s'est dit, non, je me casse. Puis il est parti. Et puis il est parvenu. On s'en fout, je sais. Voilà. Il est minuit 20, allez, va dormir. Il est lundi. Déjà. Va falloir que tu ailles en cours à 8 h du matin. Tu t'es fait quoi là? Il y a des chips à la sauce mexicaine. Je les connais comme si je les avais fait, mes chips. C'est pas bon, loulou? Après, t'iras te pioter, hein, meuf. J'attends que t'aies fini de manger. Voilà! Ils vont dormir! Ta 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 ta. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on s'arrête, on continue encore? Je ne sais pas. J'adore tes vidéos car tu prends le temps, tu me fais découvrir des choses auxquelles j'ai jamais fait attention. Oh, tu es mignonne. Vive l'amour entre chats. Mais le pire, c'est que. Tyrion, il adore Dex, hein. Il est sans arrêt. Mais en fait, c'est limite, c'est maladif, j'ai l'impression, des fois, parce que il le regarde, il est toujours comme ça. Des fois, Dex, il fait rien. Dex, il est là, il est presque dans le coma, en train de je suis réveillé ou je suis pas trop réveillé. Tyrion, il est là. Avec des billes comme ça, tu fais. Mais pourquoi tu le regardes? Il fait rien. Là, il est obsédé. Alors, s'il bouge, mon Dieu, c'est fou, c'est un événement. Et des fois, quand Dex il dort dans un endroit et qu'il s'en va, bah, Tyrion, dans les 2 secondes, il y est pour aller sniffer sa place. Je dis, mais ça, t'as un sérieux problème dans ta tête. Hein. Quand Dex il va à la litière, Tyrion, il va aller regarder ce qu'il fait. Voilà, c'est insupportable. Enfin, c'est insupportable pour Dex, en fait. Donc,
Tiens, loulou. Je t'ai dit, il y a ça à manger, chérie. Ben, si tu veux. Ben, ça va, il y a plein de trucs là à manger. Tu te fous de ma gueule un peu? Allez, loulou. Fais pas ta mijaurée, là. C'est pas. Hein. Bon, on va continuer un peu. De toute façon, je ferai des cuts, je pense, pour avant de poster sur YouTube. Ce sera un peu moins relou à regarder. Il n'y aura pas la connasse qui parle de ses chats toutes les 2 minutes. Alors, 6h30, hein, c'est 8h. Ah non, mais. Attends, tu vas te lever? Est-ce que tu auras le temps d'aller prendre une douche? On ne sait pas. Ah, c'est compliqué! Ah, oh, mais il neige plus! Pas sûr qu'il est. Minou, à toi, ya! Sachant qu'il lui faut un quart d'heure pour descendre. Arrête de tout doucher! Ça va, mon bébé? Il veut pas manger ce que je lui ai préparé. Et toi, t'as quoi à quelle heure? Dans 3 heures et dans 6 heures. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, il va écouter activement. Et elle, ça va à 8h, meuf, oh, tu. Tranquille, non? Dis celle qui n'arrive pas à se lever à 9h. Oui, mais moi, je me couche à 4h, 4h30 aussi, donc c'est normal d'avoir du mal, hein, au bout d'un moment. Quand même. Va manger ton burger, c'est bien. Doudou! Tu viens pas manger? Comme tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie. J'adore quand il s'incruste pour dormir. J'aime bien. Mais j'ai bien les premières fois. Je me suis réveillée en me demandant pourquoi j'avais une douleur au mollet. Et le bitounio qui poussait sur la place. Oh, trop choupi. Il me fait trop rire, Titi. Cette saleté, ouais. Tyrion fasciné. C'est ça. Là, il bouge pas, mais il l'observe. Dex, il fait des. Il bouge comme ça. Là, il vient sur à côté de la chaise pour dire: Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Alors, je vais donner un bol où il y a plein de pâté encore dedans, parce qu'il n'avait pas fini. Ça y est, il remet le nez dedans. Et Tyrion, il est là. Il bouge pas d'où il est, mais. Eh, Titi? Il se l'échouille un petit peu. Bref, c'est la vie des chats. Bon, on s'en fout. Elle est sous la douche. Si tu es fatiguée, mais sinon avec plaisir, je reste. Et ça, je suis contente de voir. Mais t'es trop mignonne. Le pauvre, c'est normal de se faire mater quand on fait son caca. C'est pas génial. Ah non, mais c'est insupportable. T'imagines dans la vraie vie, toi, t'as quelqu'un qui te mate dans tous les. Tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui est là. Sachant que tu peux jamais sortir de l'endroit où tu vis et que t'es en H24 avec cette personne. T'imagines l'enfer? Tu m'étonnes qu'il parle pas à ce petit loup. Qui me fait la misère. Ah, mais t'es revenu, toi? Je t'avais même pas vu. Vas-y, tu vas me jeter tout ça. J'ai même pas vu qu'il était revenu du. Et lui, on va lui faire bosser. Ah, si, il doit faire une disserte. Deux dissertations! Pouh. Alors, il va surtout. Eh bien, commencer à faire sa disserte dans ses cordes. Ouais. Tu vas. Alors, il va revenir, il va manger. Tout en regardant la téloche, elle va faire du zapping. Elle, ça va, elle est bien. Et va pipi. C'est un petit pipi, mais au moins t'as remonté ton truc. Non, tu vas pas parler à ton frère. Tu vas te préparer là en cours. C'est 11h, je crois. Oh! La société secrète vient chez nous. Oh. Oh, elle a envie, la prof. Farah part à l'école. Bah ouais, vas-y. Tu vas écouter activement. Vas-y, invite ta copine là. Wesh. Genre, il s'habille comme ça dans la. C'est vraiment n'importe quoi. Mais. De où ils vont s'habiller comme ça? De où?
Jacques Perso, vas-y. Ouais. Elle a des envies. Elle a des envies. Prochain objectif, ce vendredi, il faut qu'on en soit, on en fasse partie, hein. Oh, bah, je me fous la pression, là, ça va pas du tout. Et tu vas la draguer encore un petit peu. On doit 383 simflouz de facture. Tu vas te plaindre des factures. Oh là là, j'ai bientôt 40 ans, je suis encore des études, donc je paye mes factures. Ça commence à bien faire, cette histoire. Lesserag. Mais mon chien, il fait ça tout le temps, jusque dans les WC, il me suit même à la douche. Il se couche au tapis, j'ai mis dit, oh la vache. Il est fasciné par toi, ton chien. Elle est enceinte, sa copine, elle a un biberon qui lui apparaît au-dessus de la tête. Après, elle n'a pas de conjoint, mais... Ouh! Pardon. Les taches de câble. Ça va, Doudou? Il a un petit peu mangé. Alors, toi, pars-toi. Va regarder le pingouin. On est avec ton frère, on a quelque chose à faire avec lui. Est-ce que ça va marcher? La société secrète va révéler ses secrets. Mais pourquoi vous allez loin? Moi, j'étais prête, là, à faire mon screen. Alors... Oh là, avec mes flèches de mon clavier, là, c'est pas possible. Après, je pense que mon clavier fonctionnait plus parce que j'ai renversé du thé dessus. Donc maintenant, j'attends qu'il sèche. C'est un clavier que j'ai au moins depuis 15 ans. Alors, vous imaginez le délire. Oui! Thibaut! Tu l'as emballé! On va l'emballer! Bon, emballer la coquine, emballer, voilà, emballer, emballer la coquine de la société. Envoyons les. Enlacer. Envoyons les. Allez. Oh là là, un genou! Elles vont pas être contentes, pourquoi? Prends une pause sexy. Enlacée. Bon. Allez, petite amie. Petite amie. Vas-y. Ouais, on va pas lui demander si elle est célibataire si on devient sa petite amie. Tu vas lui offrir une rose. Voilà, voilà, ça c'est fait. Tu vas pouvoir aller au pipi room. Faut juste que tu tires ton coup après, de ces quatre. Hein. Un baiser passionné. Parce que vu que dans la maison, on n'a pas de quoi faire. Bang bang. Faut quand même que j'oublie. Faut pas que j'oublie qu'il doit. Ouais, tu vas faire tes cours après. La théorie des couleurs pour les peintres. Allez. Tu vas travailler, même petit. Mais elle est en fringue normale. Bon, il aura au moins une vie un peu plus intéressante que sa sœur. J'ai au moins réussi à lui trouver un peu de temps pour draguer. C'était pas évident. Ça y est, toi, mais c'est bon, toi, alors tu peux travailler. Dans 17 heures. Alors, fitness et protéines. Allez, c'est parti. Fitness et protéines. Y arriver. Voilà, ça son divertissement va remonter. Parce que normalement il a les écouteurs, mais il les a pas, mais il les a. Bon bah, à bientôt, madame, hein. On attend l'invitation. Hein. Je ne sais pas comment, mais on l'attend. Nous attendons.
Oh, elle m'énerve hein, avec son sport là. Tu feras des abdos, faire des pompes et tirer, tu t'étireras parce que là t'es casse-bulle. Ah bah voilà, il écoute enfin. Et tu mangeras la fin de ton burger. Ton burger VG. Ton bur VG. Compétence 5 en fitness. Alors, c'est bien, t'as travaillé. Il a cours après ça. Je vais le faire taffer. Du coup, j'avais dit sur sa disserte. Sur les deux, de toute façon, donc on s'en fout. Rédiger. Hop, dans ses cordes. Tu vas commencer. Faut bien commencer. Bon, et toi, tu vas pas. Tu me casses les bonbons, Germaine. T'as rien d'autre à faire de voir pas commencer. Bah, si. Tu vas faire ta pathologie. Ouais, bah, ça en plus, t'es pathologique un petit peu sur les bords. Donc, pathologie, vas-y. Tu vas faire tes devoirs. En vrai, elle est belle cette fille et tout. Elle est trop mignonne et tout ça. Mais un petit peu chiante. Un petit peu. En plus, c'était la plus frustrée en relation sociale, la pauvre. C'est pas faux. J'ai plus un petit peu avantagé. Bah, ça. Voilà. Il y a que lui qui a un vélo, en fait. Comme je les ai vus faire la réunion, j'ai dit mon Dieu. Et puis, c'est lui qui avait le plus dormi entre les deux aussi. Donc. On peut rien faire. Ah, mais quand il parlait d'offrir, c'était pas genre des cristaux et des conneries, parce que quand moi tout à l'heure j'y étais, il y avait genre une part de gâteau et après ils ont mis un espèce de métal ou je sais pas quoi. Sauf que comme tous les trucs qu'on a récupérés, je les ai vendus parce qu'on avait besoin d'argent. Faudrait peut-être que j'essaye de rechoper un cristal ou une connerie comme ça. Mais ça pousse plus, bien sûr. Il ne pousse plus. Genre, il y a deux endroits où ça pousse et là, ils sont pas là. Là, c'est bien les arbres, on voit bien à travers maintenant. Pour voir s'il y a des trucs qui poussent, c'est plus facile. Voilà, quand ça lui bosse. Et après, t'iras te coucher. Oh, bah, 20h, ça va. Non, non, t'iras pas te coucher à 8h du soir, mon petit. Tu iras prendre une douche et après on verra. Tu feras peut-être une petite toile pour payer ton loyer. C'est une meuf quoi. Oh! Oh là là! Qu'est-ce que je lis pas? Bon, à la fin elle, hein. Oui, mais on n'a pas de lit de place, meuf. Faudrait que j'installe un lit, mais la maison est toute petite, hein. Mettre un petit. Ou un lit de place dans le jardin. En même temps, j'ai dit en plein milieu de la ville, mais vu le peu de monde qui passe, c'est pas très très grave. Ah, il a fini sa disserte. Très bien. Très très bien. Tu feras après une petite toile de Sims là? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle mange pour changer. Eh ben vas-y, fais le ménage! Franchement, fais-toi plaisir et après t'iras te pieuter. Ah, c'est mieux ça! C'est plus joli. Bonjour, monsieur Tyrion. Monsieur Lannister. Et un Lannister. Pourquoi ça a buggé? J'ai buggé. Moi j'ai mon stream, mon retour sur Twitch qui a bugué. Tout va bien. Ah non, c'est bon. Ça avait bugué. Et alors, elle vaut combien celle-ci? 3, 439. On est pas mal quand même. Alors, je vais comme d'habitude. Alors, il a cours à 8h encore. Oui, mais. Et à 11h. Très bien. Il a fait ses devoirs à chaque fois. Ça devrait être bien.
Et c'est à elle de se lever. C'est déjà l'heure de se lever. On a cours dans 24 minutes. On doit aller à fitness et protéines. Et on a envie de parler. Tudu, 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 tudu. Tiens, Frédéric, là. Allez, hop. Frédéric le cobaye. Et après, tu iras là. On peut faire crac-crac dans la tente. Il me semble, oui. Oui. Nous pouvons. Ah oui, mais... Mince. Mince. J'ai oublié de le requinquer. Bon, elle va te requinquer, mon petit. Ben, ce sera pas pour aujourd'hui. Oh, le pauvre. Il va épicer en cours. T'es parti, on t'entend plus, hein. Hop là, il a fait pipi dans l'amphi. Une ponderie, une tente. Ah oui, j'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux? Moi, ça décolle ici. Ah, pas des bébés. Pardon. Ah, il s'éloigne. C'est triste. Deux jours. Terminé. Alors, tu vas faire la flore. Faut... Ah, tu vas manger. Et après, tu feras la flore, un truc. Lui. Bah, il va manger aussi. Après, tu retournes en cours, toi. Cours dans 2 heures. Cours dans 1 heure. Oh, ça va être Noël. Mais déjà. Il a cours dans 40 minutes. Arrête de lui parler. Oh, et elle est un petit peu relou. Non. Pourquoi? Pourquoi? Et moi, il va rentrer forcément pour remettre son assiette. Pourquoi tant de haine? Et écoutez activement. Ah, et elle a fait ses cours, c'est bien. Après, tu iras manger. Puis tu iras te laver. Puis tu iras t'occuper. Ah, j'ai oublié les factures. Bon, c'est pas grave. C'est lui qui le fera quand il rentrera. Avec tes mails et tes croissants. Voilà. Pourquoi vous avez besoin de les faire en forcément s'écoder? C'est pas revenir ici quand ils reviennent de l'école ou du travail. Non, il faut qu'ils passent la porte. Je vais mettre une porte ici s'il faut, hein. C'est bon, les factures sont payées. Ah, il doit refaire tout, c'est tout. Et la physique de la musique. Musique maestro, tu vas t'asseoir. Et puis physique de la musique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle s'énerve, elle. Et tu manges quand, Georgette? T'as décidé de pas manger de ta vie, en fait? Je t'ai dit de manger, hein? Vas-y, regardez la télé, choisis quelque chose de normal. Tu vas pisser, tu vas manger. Elle veut pas manger! Il n'y a plus rien à manger. Ah, c'est dur la vie, hein. Ah là là, mon Dieu, non, mais... Pommes de terre, robe des champs. C'est si mignon, c'est si poétique, tic. La tente dans la jungle ou le camping? Ou du kit camping. Ouais, c'est camping, ouais. J'avais pris des CC qui reprenaient l'esprit de truc de tente de camping. Et ils pouvaient faire crac-crac à l'intérieur. Les petits Sims. Bon, et ben tu te sers maintenant, c'est compliqué la vie. Oh mon Dieu, j'ai fait des patates. Tu crois que j'ai le droit d'en manger une?
Non, t'as raison. Vas-y, et tu regardes la télé là, tu me saoules. Arrête de parler à ton frère. Regarde la télé en ils savent plus rien faire. Eh non, mais j'en ai marre de celle-ci. Elle me casse les noix. C'est... Voilà. Toi, tu. Je sais pas. Tu vas aller vendre ça. Tu vas me faire une petite toile, ça va peut-être te divertir. Oui. Bah ouais. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Il y a tellement eu de lieux pour les ébats et on a tellement besoin de s'éclater avec nos Sims que les buissons, les tentes et autres deviennent des critères de sélection pour l'achat des packs. Et les douches. Les tas de feuilles, les buissons, les douches. J'en oublie. La fusée, le phare, le jacuzzi, le lit, le placard. Il y en a d'autres. Il y en a sûrement un ou deux que je dois oublier. Ah bah elle va aller bosser. Alors, il faut que tu travailles tes cours. 2 jours, 21h. 18h. Ah. Mais non, bah regarde la télé. Détends-toi. Je vais la laisser un petit peu tranquille. Ça va, il remonte son divertissement. C'est un chef-d'œuvre! 327! Ah oh, oui, on le vend. Nous, on est comme ça, nous, on a besoin d'argent, hein, on s'en sort mieux. Hein. Il a abandonné le travail. Ah. Les cours, dans 2 jours, tu vas faire dans tes cordes. Et puis c'est très bien. Après, ce sera dodo. Enfin, dodo. Il est que 17. La meuf, tu vas te coucher à 19h, t'es au lit, hein? Floro Pancakes! Super, on s'en fout. Et Hugo Pancakes. Les pancakes n'ont plus l'air d'être vivants, hein, si leurs enfants se sont fait adopter. Ah oui, le sauna. Ah, oui, parce que ça, je l'ai fait qu'une seule fois et avec vous d'ailleurs, en live. C'était une vraie galère d'ailleurs à le faire. On est une commu de gros obsédés. C'est ça. Le sauna, ouais, le sauna. C'est vrai que je l'ai. Il y en a que je fais jamais, hein. Espèce de J'ai honte pour toi. Niveau 5 de violon. Sans toucher un seul violon, il est déjà au niveau 5, vous avez vu? C'est magnifique, hein, les Sims, les cours dans les Sims. Vous faites que écrire sur du papier et vous apprenez à jouer du violon réellement. C'est magnifique. Alors, mon petit, tu vas aller manger. Est-ce que tu vas réussir? Manger, c'est compliqué hein, chez vous. Hein. Puis pipi. Allez, rien que ça déjà. Tu vas y arriver. Ah, devant le frigo, hein, parce que faut pas déconner. On n'est jamais mieux qu'en mangeant debout devant un frigo. Petit peu collante, la demoiselle. Hein. T'iras après te doucher. Et on va leur pimp, hein. Il est que 21h30. Hein. Ah. Et après, t'iras te mater un film. Les aventures de la simulation spatiale. Elle ramène que 160 simflouzes. Mais t'es nul, hein. Puis tu commences à apprendre du cuisseau, hein. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas courir, ça te fera du bien. Oh oui! Regardez-moi ce derche. Ce cul. Ça lui fera du bien, elle sera contente. N'a pas pris le temps de faire ce qui est de se détendre dans cette partie avec eux. Ah. Nom des anges, blanc comme neige, c'est toi qui l'avais dit un jour, innocent. Une cuillère à soupe de coquin et de cuillère à café. C'était.
Ils subissent tous nos Sims envie, fantasme, frustration, soit béni Dieu créateur des Sims. Oh là là. Oh, je sais pas moi si peut-être que je fais subir une espèce de frustration, je dirais, parce pour le les Sims féminines, enfin même les Sims en général, j'aime bien quand ils sont minces et voilà. Parce que moi, c'est vrai que je ne le suis pas, et que, bah voilà, donc peut-être que je projette le truc, quoi. Fait aussi que je vais faire beaucoup de crac-crac à mes Sims, ça veut peut-être dire aussi quelque chose. Voilà. Minuit, c'est bien, tu peux aller te coucher. Et toi aussi! Puis comme ça, on s'arrêtera là. Ça fait 2 heures, c'est bien. Tout, 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 tout. Et voilà! On est mercredi 1h du matin. Il nous reste pas beaucoup de temps pour essayer d'intégrer la société secrète. La Secret Story Society. Et on essaiera de faire ça la prochaine fois. Quand, je ne sais pas. Bon, voilà, ce sera à suivre du coup, hein. Est-ce que j'ai enregistré? Je ne sais plus. Je perds mon latin et mon allemand. Mon petit doudou. Et Titi, il est là, ça va. Y a personne qui veut venir dire bonjour? Non. Ils veulent pas. On le sait que t'aimes prendre des douches. Ah oui, mais c'est bien aussi, des fois. C'est un peu indispensable, hein, on va dire. Merci pour ce petit live. Ben, ça fait 2 heures, quand même. Bon, et ben, moi, je fais des bisous aux gens de YouTube pour la rediff. Et puis à très bientôt pour la suite.